Salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 6. Pff, grosse réflexion. Là au 6ème. Ah, c'est qui? C'est Ray? D'accord, c'est Ray. C'est Ray. Je vais pas refaire le jeu libre parce que je l'ai pas encore fait. Ouais, c'est parti au moins. Enfin, cette partie là. Ce niveau là. Parce que je suis jamais allé aussi loin dans le jeu. Voilà, bon je loot un peu, hein, comme d'hab. Parce que le loot c'est la base. Putain sérieux, il y a trop de loot de partout. Ok, je vais revenir, je reviens, je reviens. C'est l'intro. Oui, parce que en fait, quand on... Alors je sais pas si ça le fait sur celui-là, hein, mais sur les autres jeux Lego, les loots nous donnent des cadeaux en fait. À la fin, on peut avoir des cheat codes, on peut acheter des trucs, ou des trucs comme ça je crois. J'ai fumé Indiana Jones comme ça, le Lego Indiana Jones 1. Je sais même plus lequel j'ai fait aussi. Voici le Harry Potter. Ah, c'est un scorpion. D'accord, j'avais pas fait le lien. Ouais, bon, on va faire tout ça avant. Bon, on va arrêter les frais, on va juste loot maintenant le simple, hein, parce que c'est déjà pas mal. Enfin, on va éviter de faire trop de détours. Ah, il me faut bébé, c'est ça? Oh, je voulais mettre dedans et salut. Hein. Est-ce qu'on peut construire quelque chose avec ça? Non. D'accord, ça se casse pas. Là-bas, il y a plein de trucs ici. Ah, on va pouvoir y accéder. Constructible, pas constructible. Voilà, c'est pas grand chose mais ça fait quand même des cas. Donc là on ne peut pas, il faut je ne sais pas qui. De toute façon on est que deux. C'est quoi ça? Ah bah oui, d'accord. J'étais reparti de l'autre sens moi. Bon. On va... Bon, ce qui est excellent dans ce jeu là c'est qu'on peut le faire à deux aussi. Des sables mouvants. Il va nous falloir un speeder pour les traverser. D'accord. Créons un speeder. Waouh. Alors, Y. Sérieux? Voilà. Bébé. Ah, excellent. Accroche-toi, si tu peux. Bon, on va essayer. On prend la route, on va avancer un peu dans le terrain. Comme si on peut. Le premier ordre étend son ombre dans tous les recoins de la galaxie. Je suis heureux de savoir la carte entre de bonnes mains. Je suis heureux de savoir la carte entre de bonnes mains. Ok. Donc faut construire des trucs. Oh, t'es sérieux, j'avais dit qu'on avançait, hein. Et on n'avance pas. Ouais. Je ne sais pas. Bon, il n'y a pas de trucs. Je regarde s'il n'y a pas des trucs à construire, mais... Bonjour. Il y a des trucs à défoncer aussi. Oui. Vu. On peut y aller? Oui. Si vous voulez vomir, c'est maintenant, hein. Oh là 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 là. Pas trop le truc qui donne la gerbe. Ça se pète, ça? Non, bah, pas avec Ray, en tout cas. Allez. 440, la vache. On est bientôt au 444 444, hein. On n'ira pas. Ah, dépassé, d'accord, bon c'est pas grave. 400... Oh la vache, 446. R -r 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 -r.
D'accord, ça a rien de plus que je passe par là. Qu'est-ce qu'on a par là? Mais tu n'as rien à construire. Oh, oh, et là, arrête! Nouveau champ magnétique, petite, on l'a installé pour éviter les pillards et la racaille. Je te montrerai bien ce que j'entends par racaille, mais je n'ai pas de miroir sur moi. Oh, et si tu penses pouvoir traverser le champ magnétique, je suis curieux de voir ça. Non, bah non, c'est pas ça que je voulais, c'est ça. C'est pas ça, on va taper ça. Ça va nous permettre de construire un truc plus facile. D'accord. Tu les as déjà tués ? Oh non 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 ! J'ai changé d'avis ! Je n'ai aucune envie de tuer ces... Ah ! Voilà. Merci. Je mets l'énergie. Je peux pas aller là-bas. Je vais tâcher de faire descendre les systèmes de contournement. Oh, il va peut-être falloir bricoler un peu. Ok, comment j'y vais maintenant là-haut ? Je vais le tenter. Hein. Donc là. Ah bah B. D'accord, c'était pour ça B. Je vais perdre ma place à cause de ça. Je devrais arrêter de provoquer les visiteurs. Tu peux zapper ça, bébé 8? Je devrais arrêter de provoquer les visiteurs. Je parie que la moitié des attaques qu'on subit sont dues à ça. Je maîtrise. Je devrais peut-être aller chercher du travail, moi. Tu devrais, ouais. Ça donne plus de cadeaux. Voilà, c'est ça. J'étais en train de chercher la touche pour la récupérer. Bon, ça déjà loot, hein, ouais. Donc, ouais, je refais le générateur. D'accord. Un marchand de glace. Non, on a vu qu'une glace. Alors. Bonjour. Continuons l'histoire. Bah ouais, vas-y, go. Il nous reste 11 minutes d'épisode, 12 minutes quasiment. Chapitre 3, avant-poste de Nineva. Après s'être écrasé sur Jakku et craignant la disparition de Po, Finn traverse le désert à la recherche d'un endroit civilisé. Peu après, Rey et BB-8 arrivent à l'avant-poste de Nima pour vendre les pièces pillées, sans se douter que BB-8 vaut beaucoup plus que les forces sinistres dans la colonie et à l'extérieur. Oh, cette musique me donne des frissons, c'est un truc de fou. Aïe aïe aïe. Allez, go! Oh là là! Elle est terrible, la musique. Petit morceau de glace sur les mains. What? C'est quoi ces lags? Pour ce que tu m'apportes aujourd'hui, je te donnerai...
disons un quart de portion. Il y a une semaine, c'était une demi-portion pièce. Et le droïde ? Quoi, le droïde ? Je suis prêt à le payer 60 portions. En réalité, le droïde n'est pas à vendre. Allez, viens. Suivez la fille et ramenez-moi le droïde. Le droïde dit que tu l'as volé. Où tu l'as trouvé? Il dit qu'il appartient à son maître. C'était le blouson de Podamron. C'est ça? Il a été capturé par le premier ordre. Je l'ai aidé à s'évader, mais notre chasseur a été abattu. Il n'a pas survécu. Tu appartiens à la résistance? Exactement. C'est ça, oui. J'appartiens à la résistance. J'appartiens à la résistance. BB-8 dit qu'il a une mission secrète. Il doit rejoindre votre base. Pareil qu'il y a une carte qui permet de localiser Luke Skywalker et tout le monde court après. Suis-moi! Oh, je hais les Stormtroopers. Voilà. Ouais, je t'ai vu faire, toi. Ah, j'ai une fois, quoi. C'est quoi, je suis en train de te là. Oh là, non, 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 non. Hello. Je sais pas, il tombe tout, je suis allé un peu fort. On respire ça et on va faire un bon coup. Oh yes, c'est top. Attends, je vais te trouver un passage. Ah vache, ça me prend cher. Ah, j'ai pris au moins mon... Le plus important, c'est mon siège. Arrêtez-la! Puis rangez notre matériel de camping. Putain. Faudrait que je t'aide à sortir pour regarder comment ça marche. Allez, voilà. Voilà. Ah la vache, il y a un wing. D'accord, je peux faire à plusieurs endroits, c'est en train de regarder. Un scorpion. Ouais, c'est pas tout à fait un scorpion, mais ça pourrait quoi. Voilà, on va faire un creux, on va le laisser passer. Et ça va tirer. Ah, c'est tout pourri. Je peux pas aller assez loin. D'accord, je peux pas aller assez loin. Oh.
J'appuie sur B, mais ça construit. Cette vieille navette impériale bloque le chemin. Non. Elle a peut-être encore assez de jus pour bouger. C'est quoi ce délire là ? On change de caméra. Voilà. Je vais devoir accéder au cockpit. Ok, bah vas-y, Po. Fini, putain. Ah, c'est hardé. Eh, bébé. Oh, c'est bon. Ah, t'as accédé là ? Alors, je change en Storm. Comment ça se fait que tu connaisses les codes d'accès impériaux ? Bon, ils sont faciles. Non. C'est pas ici, en fait. Ah. C'est par là. J'allais dire, je croyais que je pouvais le casser. Et je peux. Derrière, il y a un mec qui s'est baladé en caché. Yes. Plein de thunes, pas plein. Je suis passé, hein. Voilà. Un truc, je ne sais pas oui, quoi. Je les vois. Voilà, j'ai perdu une masse de vie. Récupérer. Je suis en train de faire un coup la fin volée derrière, j'avais pas fait gaffe. Oui. Alors, du coup, je l'ai construit pour rien parce que je l'ai répété. Donc là, il faut... D'accord, je vais... Ça se fait plus ? Ah, si, ça se fait. On va prendre tout de côté, hein. Ah mais c'était une protection. D'accord, et là j'ai l'air con. J'aurais pu avoir une protection. D'accord, je vais essayer de trouver encore un autre. Mais ça sert à quoi cette truc? Je peux pas le pousser. Bon bah tant pis, j'ai loupé quelque chose. On va loot un peu là. Ils sont tous coincés dans l'enfermeur et tout. Putain la vache. Raté. D'accord, on va tomber. Putain la vache. Je pense qu'on va aller là-haut. Tu peux passer par là, bébé 8. Oui. Allez, vas-y, bébé. Donc là, je peux pas. Ok, ça va. C'est facile à quitter. Bon, je pré-loot. Hein.
D'accord. Si je mets mon bâton. Okay. Ah, d'accord. Voilà, je me craque quand on m'attaque. J'ai loupé le cœur. Ça va. Mon bébé va pouvoir remonter. Voilà. On va faire une échelle. Ouais, putain. Hein. Voilà. Là, c'était pour ouvrir. Excuse-moi, je te pète un peu ton aventure, mais j'ai besoin de sous. C'est pour sauver le monde, t'inquiète. C'est... Oh. Fin, fin, fin. Et à chaque fois, c'est chelou. Il est un peu... Je ne sais pas pourquoi. Ya muchacho. Ah, les cœurs ça fait bien, je commence à être léger. Là c'est pour bébé. Là. D'accord, j'avais pas besoin d'aller jusque là. Ah, c'est les... Tu veux pas venir? C'est sérieux? Allez, vas-y, dépêche-toi. Non, descendez pas, les mecs, là! Non, bande de glands! Bon bah en parlant de bande de glands, on va s'arrêter là-dessus, hein, je pense, je sais pas pourquoi, aucun lien. Voilà, je donne rendez-vous pour la suite, allez, ciao tout le monde !